Welcome, new city. Welcome. Come hither. Let us worship the Lord this morning and magnify his name. Let us praise him. Amen. Amen. Are you excited about Jesus today? Yes. Good. You don't need a reason to be excited about Jesus, you know. That's not right. Like, what did he do? It's what he always does. So let's praise and worship him this morning. One more time. Good morning, New City. Good morning. Our call to worship reminds us of the goodness of God's word. We live in a world where
this has happened all throughout history, right? People have denied God's word, have tried to throw off its authority, or they tried to twist it to fit their own life. But for us as the people of God, we know how that story ends, right? Yeah. Somebody can testify that the good news is the perfect king has come. Amen. As a free gift. Amen. We don't have to win to approve this king. We don't have to strive to earn his favor. He gives it freely through his blood. Hallelujah. Let us listen to what the word of God says from Psalms 19, verses 7 through 11. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey. Amen. Your servant word. Keeping them is there's great reward. Amen.
Jésus. Hallelujah, Lord. We ask you right now to order our steps. Lord, to guide our feet. Lord, to take control of our minds and our bodies. We lay it all before you and we offer it to you, for you are great and good and holy, and we can trust your sovereign love over us always. Order our steps, O God. In your word, dear Lord, lead me, guide me, Lord.
Yeah.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Bye.
Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. All righty. We have come to the time of our service for confession. Nous sommes au moment de la confession. So we'll take a moment to silently go before the Lord individually. Nous allons prendre un petit moment pour aller en silence individuellement devant le Seigneur. Before we do that, I want to read Psalm chapter 19, verse 14. Avant de le faire, je vais lire le psaume 19, verset 14. Let the words of my mouth. Que la parole de ma bouche. And the meditation of my heart et la méditation de mon cœur be acceptable in your sight. Soit acceptable à tes yeux. O Lord, my rock and my redeemer. Oh Dieu, mon rocher et ma rock and redeemer. Et mon rédempteur. Amen. The word reminds us that God is not just concerned about our actions. Cette parole nous rappelle que Dieu n'est pas seulement concerné par nos actions, but he cares deeply about the thoughts of our heart. Mais qu'il tient vraiment profondément des pensées de nos cœurs. Our frustrations, nos frustrations, our desires, nos désirs, and the things that we allow to sit and fester in our hearts and minds. Et des choses que nous laissons infester nos cœurs et nos pensées. So let's take a moment silently and go before the Lord in confession. Alors, faisons un moment de silence et allons devant le Seigneur pour le confesser. Oh Lord, we do want you to order our steps according to your word. We thank you for your grace in our lives that is truly amazing. We thank you, God, for your Holy Spirit that does grieve when our actions or our thoughts are not pleasing to you. And so we ask, God, that you continue to direct us by the power of your Spirit. And we do thank you for the truth of your word. That when we confess our sins, Lord, you are faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Jesus, help us to leave this place restored and renewed better than whence we came. In your name, amen. 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 All righty. For our circles of prayer, there are two things I would like for us to focus on this morning. Pour nos cercles de prière, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais que nous puissions nous focaliser ce matin.
First, I would like us, we would like for all of you to continue to keep the Maston family in your prayers. Nous dépendons de vous pour continuer à garder la famille de notre fiel bien-aimé, les Maston, en prière. As most of you know, our brother, Elder Dave Maston, went to be with the Lord just over a week ago. Et comme vous le savez, que notre frère Dave Maston est allé se réunir au Seigneur, c'est-à-dire qu'il est mort depuis une semaine passée. So we want to continue to lift up our dear sister Nancy Maston and their entire family. Nous allons continuer à vraiment remettre notre sœur Nancy Maston entre les mains du Seigneur. Amen. 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 Grief is complex, and let's continue to make sure we come around those in their time of loss. Le deuil est un moment complexe. Continuons à venir les entourer de beaucoup de soins. The second thing that we'll lift up during our time of prayer is simply our church. Et une des choses que j'aimerais que nous puissions remettre entre les mains du Seigneur, c'est simplement notre Église. I want to read real quickly from Ephesians chapter 4. Je vais lire très vite Ephésiens chapitre 4. Paul says in verse 2, he urges us to act with humility, gentleness, and patience. Paul nous dit qu'il nous presse de can you read it again? Humility, gentleness, and patience. D'agir avec humilité, amour, dans gentillesse et patience. Bearing with one another in love. Nous soutenons les uns les autres, nous supportons les uns les autres dans l'amour. Eager to maintain the unity of the Spirit. Mais très vite à maintenir l'unité de la foi ou de l'esprit. In the bond of peace. Dans le lien de la paix. So let's also, during our time of prayer, et faisons aussi ceci pendant ce moment de prière. Pray for us as a church. Priez pour chacun de nous comme église. That the Spirit would continue to help us. Que le Saint-Esprit continue à nous aider. To be eager to maintain unity amongst each other. De nous empresser à maintenir l'unité au milieu de nous. Amen. 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 Let's stand and form our circles of prayer. Alors, levons-nous, faisons des cercles, nous prions pour visitors, just follow those around you.
Lord, we thank you that even in the midst of our great sin, we can come boldly before your throne because of your grace. God, we thank you, God, that we do not sorrow like those who do not have hope. But as the people of God, we look forward to a future and a hope and an eternity with you. And so we thank you for that joy in the midst of current grief. God, we thank you for your spirit that is among us as your people. And we continue to pray, God, that through differences, God, through circumstances, Lord, through the tricks of the enemy, you would give us your strength to continue to pursue each other through the fruit of the Spirit, God. We thank you, oh God, that our standing as the people of God is greater than anything that could try to separate us. Thank you for the unity of the Spirit and the bond of peace. We celebrate your faithfulness, and we thank you in your name, Lord. Amen. 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 You may be seated. Amen. Please stand back up. All right, let's recite the Lord's Prayer together. Stand up. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debt as we also forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Amen. All right, now. Morning, New City. My name is Jim Owens. For those who don't know me, I'm one of the elders here at New City. Je m'appelle Jim Owens. Je suis l'un des anciens ici à New City. And as the, let me invite the deacons to come up for the morning offering. Alors que les diacres viennent pour prendre l'offrande du matin. And I'd like to welcome everyone. We're glad you're worshiping with us today, both here at the gym and those who may be joining us through the live stream. Nous vous recevons, vous qui êtes là ce matin pour adorer avec nous, même ceux qui nous suivent en ligne. And I'd also like to welcome our French-speaking brothers and sisters who are joining us this morning for this service. Et nous disons aussi bienvenue à nos frères qui parlent français qui sont avec nous ce matin. And if you are new or new, yeah, I'll give them in a minute. Okay. If you are new or newer to et si vous êtes nouveau ici, to New City, we have an information desk out here at the back. Nous avons la table d'information juste quand sortant à droite. Let me pray for the offering. Alors nous allons prier pour l'offrande. Father, we do thank you so much for all that you do, all that you've given to us in your Son. And we acknowledge that it is a free gift that you have given us. And we thank you. And Lord, as an expression of our gratefulness and our thanks, we offer these things back to you, these gifts, that you would use them for the building of your kingdom, both here and around the world. In Christ's name, amen. Amen. Now let me release the nursery workers and the blast workers to go get your rooms ready for the kids. Of course, the kids don't leave yet. We'll at the break dismiss the kids. Les ouvriers de blast peuvent sortir, mais les enfants ne sortent pas encore. And then we welcome up Ali Grimshaw for our ministry moment this morning, our children's ministry director. Notre moment de ministère aujourd'hui, c'est notre sœur Ali Grimshaw qui va le donner. Bonjour, comment ça va? Good morning, how you doing? You can answer. Merci. Okay, I'm up here in my role as leader of Blast. Je suis ici devant comme dans mon rôle de leader de Blast. Do we all know what Blast stands for? Est-ce que vous savez ce que Blast veut dire? Being light and salt together. Étant le sel et la lumière ensemble, au même moment.
I have some statistics for you. Et j'ai quelques statistiques pour vous. They're not very encouraging, but don't worry, God is. Les statistiques ne sont pas si encourageants, mais ne vous en faites pas, le Seigneur est fidèle. 94% of Christians made their decision to follow Christ under the age of 18. Il y a 94% ou 94% des chrétiens font la décision de suivre Jésus avant l'âge de 18 ans. 85% make that decision between the ages of 4 and 14. Et 84% font prennent cette décision entre 4 ans et 14 ans. That means that Blast has a really important job to do. Ça veut dire que Blast a un rôle important à jouer. 66% of young adults who attended church as children drop out. 66% des personnes qui ont été à l'église, donc des jeunes adultes, c'est-à-dire de 18 à 25 ans, qui ont été à l'église à cet âge-là, finissent par laisser tomber l'église. That makes our job even more important. Et ça rend même le travail de Blast encore un peu plus important. But, mais we have them for 1 hour a week. Nous les avons seulement pour une heure par semaine. Which, according to my math, not my strong point, is 0.6% of the week. C'est 0.6% de la semaine. That means, picture it, in case you're not a math-minded person. Si tu n'es pas une personne qui a les mathématiques vraiment là bien incrustées en vous. If I lined up 100 people in a line here. Si je prends 100 personnes dans une ligne ici. Just over half a person. C'est à peu près une demi-personne, donc c'est pratiquement 0.1 personne. Represents how much of the week we get with them. Représente combien pour cent, n'est-ce pas, de temps de la semaine que nous avons, que nous passons avec eux. The rest of the time they're with you, they're in school, they're on social media, whatever. Le reste de temps ils sont avec vous, à l'école, ils sont dans les mass media. So we are supporting you. We are not responsible for their growth. Nous ne sommes pas tellement responsables de cette croissance. Nous vous supportons. But we take it very seriously and we're excited to have the opportunity. Et nous le prenons sérieusement et nous sommes très contents de cette opportunité. There are four main things that we try to do. Ainsi, nous essayons de faire certaines choses. We teach the word of God. Nous les enseignons la parole de Dieu. We encourage their own individual relationship with Jesus. Nous les encourageons à avoir une relation personnelle individuelle avec Jésus. We give them fun and friendship. Et nous leur accordons aussi d'avoir des moments de se réjouir, ce qu'on appelle fun en anglais. And opportunities and encouragement to be salt and light in the world. Et des opportunités, n'est-ce pas, pour que eux ils soient le sel et la lumière du monde, n'est-ce pas, là quand ils sont là dans le monde. Let me give you some specifics. J'aimerais vous donner quelques exemples spécifiques. When we teach the word of God, we're not just teaching Bible stories. Quand nous enseignons la parole de Dieu, nous n'enseignons pas seulement des histoires de la Bible. In Blast 9, which happens at 9 o'clock, they're covering the catechism. Dans Blast 9, qui commence à 9 heures, nous enseignons le catéchisme. And in Blast, during the sermon, we are memorizing the books of the Bible. Et dans Blast, pendant le culte, comme en ce moment-là, nous mémorisons les livres de la parole de Dieu. We were going to show you the song that we're practicing with choreography, but that's going to come back in a few weeks' time. Nous allons vous faire une démonstration de ce que nous enseignons par une chorégraphie, et ça va se passer dans quelques semaines. So kids, get ready. You're going to help me with that at some point. Donc les enfants, soyez prêts, mais nous allons avoir ça d'un moment à l'autre. Now,
parrots can memorize. Parrot, mean the bird? Yeah. Oui, oui, le perroquet peut mémoriser. And we want more for the kids than just memorization. Oui, you don't want it? We want more for the kids than just memorization. Ah, nous voulons un peu plus pour les enfants que juste mémoriser. We're memorizing so that they have a tool in their hands to get them to know God. Nous les aidons à mémoriser pour qu'ils aient comme un instrument dans leurs mains pour qu'ils vivent leur vie, n'est-ce pas, de Dieu. But you remember how we only have them for 0.6% of the time? Vous vous souvenez que nous ne les avons que 0.6%, n'est-ce pas, par semaine de notre temps? We'd like you to be working on this at home. Et j'aimerais que vous puissiez continuer, n'est-ce pas, ce travail à la maison. And when you register your kids for BLAST, which if you haven't done, you're going to be doing really soon. Quand vous enregistrez vos enfants pour BLAST, et si vous ne l'avez pas fait, vraiment que vous le fassiez le plus tôt possible. I'll be able to send you a link with a song on it. Et je vais vous envoyer un lien avec un chant dessus. Thank you. And that's part of what I want to say. We want to support you. If you give us your information, there's even more we're going to do. C'est juste pour vous dire que nous voulons vous aider. Si vous nous donnez vos informations, nous allons vous rendre service et même un peu plus. To be realistic, if kids don't have friends here, they're not going to keep coming here. Pour être réaliste, si les enfants n'ont pas d'amis ici, ils n'auront pas le courage, n'est-ce pas, de quelque chose qui le pousse à continuer à venir ici. So we want to start the Friday night blasts occasionally. Et nous voulons commencer, n'est-ce pas, blast pendant le vendredi le soir, occasionnellement. Games, fun, movies, gym nights, all kinds of things. Ils vont faire des jeux, des films, et puis des jeux ici dans la gym. But I can't do that till I have all your contact information. Mais je peux pas le faire jusqu'à ce que tous vos contacts, pour les informations. Because I love your kids, but I don't want you to drop them off if I don't know how to contact you. J'aime vos enfants, mais je ne pouvais pas les amener ici si je n'ai pas vos contacts. I'm not adopting them. Je les adopte pas. Thank you. Merci. You're going to get more information about how to register. Vous aurez plus d'informations à propos d'enregistrement. And that's the main thing. We love your kids. La plus grande chose, nous aimons vos enfants. Your kids are great and their relationship with Jesus is so important. Vos enfants sont magnifiques, mais leur relation avec Jésus est plus importante. Thank you for trusting us with them for 0.6% of their week. Merci de nous faire confiance pour le 0.6% de temps que vous nous donnez. And kids, we'll see you soon. It's Dum Dum Week. The listening lady will be here to hear your memorization. Et les enfants vont vous voir d'un moment à l'autre, mais la dame qui écoute sera avec eux pour leur mémorisation. See you soon. À nous revoir. We have a few announcements this morning. Nous avons quelques annonces ce matin, quelques communiqués ce matin. One of them involving BLAST. Et l'un de ces communiqués est à propos de BLAST. All families with children ages kindergarten to fifth grade are asked to please complete or update their child registration for the 2024-2025 school year. What age again? From kindergarten to fifth grade. Tous les parents dont les enfants vont de kindergarten à la classe de cinquième primaire sont appelés à mettre à jour les informations à propos de leurs enfants. This information is vital to keeping our kids safe while in BLAST and BLAST 9. Cette information est vitale pour garder nos enfants, n'est-ce pas, en sécurité quand ils sont à BLAST et BLAST la nuit. BLAST and BLAST 9's goal is to have all children from both English speaking and francophone congregations registered by the end of September. Et BLAST 9h
n'est-ce pas, concerne les enfants, les anglophones et les francophones de maintenant jusqu'à la fin du mois de septembre. Help us reach our goal. See the church app, our Friday email, and scan the QR code in the bulletin. Donc, vous pouvez soit regarder, n'est-ce pas, l'email de l'église, ou sinon, il y a, vous regardez là-bas, Mama Kitty. Can you stand up, please, so they can see you better? Alors, il y a un code QR dans ce papier-là. Scannez ça et ça va vous aider à prendre des informations. Some more upcoming events. There is a nursery kids clothes swap at the end of the service today. A nursery kids clothes swap at the end of the service. Oh, il y aura un échange d'espace d'habits des jeunes enfants à la fin du culte. We also have a church picnic happening September 15th at Fogarty Park. Which means next Sunday, right? Nous avons aussi le pique-nique de l'église qui va se passer le dimanche prochain au parc juste en face de l'église, Fogarty Park. Please bring lawn chairs for that event. Amenez des chaises longues pour cet événement. On Sunday, October 6th, we are going to have a meet and greet for house church leaders after the service. Les leaders des cellules vont se rencontrer à la fin du culte le 6 octobre. And we're also going to have a church camping trip. Nous aurons aussi un voyage It's going to be October 13th at St. Francis Park. Nous allons avoir un voyage de camping qui va se passer le 13 octobre à St. Francis Church. And it's going to be $10 per person. Et ça va coûter $10 par personne. A potluck dinner will be provided on Saturday night. Et puis il y aura un dîner qui va être donné, qu'on appelle le potluck, la nuit de samedi. And food will be provided on Sunday morning. Et la nourriture va être, n'est-ce pas, approvisionnée le dimanche matin. For more information about any of these events, you can check on the Church Friday email or on the Church app. Pour plus d'informations, vérifiez l'email de l'Église ou sinon dans l'application de l'Église. At this time, we want to dismiss kids for Blast 9. Or et à ce moment-là, nous demandons à tous les enfants de Blast d'aller derrière votre ami Ali vous attend. This is for kids kindergarten to fifth grade. Les enfants qui sont de la maternelle 5 ans jusqu'à la 5e primaire. Parents, you can also send your kids up to nursery. Vous pouvez aussi envoyer vos enfants au nursery. And we're going to have a 5-minute break before the preaching of the word. Nous allons avoir 5 minutes avant la prédication de la parole. Okay, I just also want to tell you that I feel so worn out. So today, Sister Gloria will be, come please, so they can see you. Sister Gloria will be, this is like my daughter. She will be translating for you guys. Amen. Gloria Bebella. She's a good sister. She's a physician assistant, but loves the Lord and serves at the French-speaking side. Amen. She will be translating this morning. Pour les francophones, nous allons commencer la classe de baptême le dimanche prochain. Donc, tous les enfants qui ont les parents qui ont les enfants de 12 ans et plus, même les adultes qui n'ont jamais été baptisés, venez s'il vous plaît pour assister à la classe de baptême. So I was saying that for the French speakers, we're going to start a baptism class on a Sunday, next Sunday morning. God bless you.
All right, as Pastor Thurman says, you got a 1 minute warning, and then we'll start. Okay, so we're going to do something a little different. Nous allons faire quelque chose de différent. We need to have a business meeting. On va avoir un meeting de business. This is because we've been asked to make a vote to affirm a decision that our sister church, New City, South City, is asking from us. Donc on nous a demandé de confirmer un vote qu'on a fait dans l'église New City du South. If you didn't know, there are three of us New Cities in St. Louis, this one, South City, and West End. Si vous ne savez pas, on a trois New City, Solution, University City, South City, and West End. And even though we very much operate in separate ways, we are still technically one church with three sites according to our denomination. Quand bien même nous fonctionnons de manière différente, nous sommes toujours une même église sous une même dénomination. So, this is, where's Carl? Make sure you take minutes, because technically we're supposed to take minutes. So, I don't know, however you want to do that. You don't have to translate. So, here is the deal. Nick Dahlquist is an assistant pastor at New City, South City. Nick Dahlquist. Dahlquist. Il est pasteur à South Sioux City. And an assistant pastor is called by the session, by the elders. So, un pasteur assistant, il est appelé par les anciens. But they are changing his call from assistant to associate pastor, which means the congregation has to vote on him. Donc, on veut changer son titre de pasteur assistant à pasteur associé. Donc, la congrégation doit voter. They have voted, and they have said yes. So, ils ont voté, ils ont dit oui. But since we are all technically still one church, donc, we need to affirm or not. So, vu que nous sommes une même église, nous devons s'y affirmer le choix, oui ou non. So, what I'm going to ask is, members of New City, donc, je vais demander, membres de New City, if you affirm this call, this change in call, si vous confirmez ce vote, please raise your hand. Alors, levez vos mains. Okay. If you do not affirm this call, raise your hand. Si vous ne supportez pas ce vote, soulevez vos mains. Vous êtes libre. All right. So it passes. Great job. Donc, il a été voté et donc c'est confirmé. Y'all are like, South City, what? Nick who? Sorry, he's a great brother. C'est une très bonne personne. I love Nick. Okay, meeting adjourned. Got that? All right. Okay, for those of you who may not know me who are visiting, my name is Jim Ward. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jim Ward. I am one of the pastors here at New City along with Noel Sengele. Je suis un des pasteurs ici à New City avec le pasteur Sengele. We are in the process of searching for a new senior pastor, and for right now, we have this rotation of preachers, of which I am one. Nous sommes toujours en train de chercher un pasteur principal, et pour l'instant, nous sommes en train de faire des rotations. And this is Gloria, and she's translating. Celle-ci, c'est Gloria, elle est en train de translate. She's awesome. Okay. You don't have to. I'm good. Okay, I want to start with a story. Donc, je vais commencer avec une petite histoire. 32 years ago, I came to St. Louis. 32 ans passés, je suis venu à Saint-Louis. That's really long, isn't it? Ça fait un très long moment.
I just feel the creaks all of a sudden. Je sens tous les craquements de mon dos. When I came to go to Covenant Seminary. Je suis parti dans un séminaire. And the registrar there at the office said, "Oh, you need to. I see you're a musician. You need to talk to Barry Henning about because he's looking for a musician." So m'a vu m'a dit, "Oh, tu es un musicien. Tu dois aller parler à Barry Henning parce qu'il cherche des musiciens." Because he's planting this church called New City Fellowship. Dans l'église appelée New City Fellowship. So I called Barry and I said, "Hey, I'm Jim Ward and I'm a musician and would love to talk to you about the job." Alors j'ai appelé le pasteur Berry et je dis je suis Jim Ward et on m'a dit que tu cherchais des musiciens. And very rudely he laughed at me. Et de manière un peu rude il a rigolé. Because if for those of you who are in PCA Presbyterian circles, there's another Jim Ward. Parce que pour ceux qui sont dans le cercle presbytérien, il y a un autre Jim Ward. Who at that time happened to be the music director at New City Fellowship in Chattanooga. Qui en ce moment était un chef musicien dans une autre ville. And I learned that after that laughter. Et j'ai compris ça après qu'il ait rigolé. So, but I sat down with Barry across his dining room table to sort of say, "Hey, can you know interview and get the job, you know, as music director?" Alors pendant qu'on était en train de parler pour faire l'interview for the music direct pour être musicien directeur. And before he answered that question, he went through very passionately the vision and mission of New City. Avant même de répondre à toutes les questions, il est passé, il parlait de la vision de New City. And I remember thinking to myself, I mean, it sounds cool. I don't know what you're saying, but do I get the job? Il parlait de manière tellement passionnée, et en moi, je me disais, ça paraît cool, mais est-ce que je peux vraiment avoir le travail? That's where I was as a 23-year-old, understanding God's call. Et là, j'avais 23 ans et je comprenais l'appel de Dieu. I didn't understand exactly what Christ was doing as king and what his kingdom vision was. Je ne comprenais pas complètement l'appel de Dieu, qu'est-ce que son royaume impliquait. I've been thinking a lot about our vision recently. Je pensais beaucoup sur notre vision récemment. We, as a congregation, have gone through a lot in the last many, many years. Comme une congrégation, nous avons traversé beaucoup de saisons ensemble. And those pains and different things that we have felt have left us at times, well, sometimes we freak out. Toutes ces saisons par lesquelles, ces moments difficiles par lesquels nous sommes passés, qui par moments nous ont effrayés. Sometimes we go into the fix-it mode. This is the problem, here's the answer, let's go. Des fois nous passons dans le moment, dans ce moment où nous voulons juste fixer les problèmes et passer à autre chose. Sometimes, and this is kind of my kind of area of expertise, we get overwhelmed and withdraw. Et des fois ça c'est mon domaine à moi, nous sommes tellement dépassés que nous nous retirons. Today, the very clear thing that I want you to hear from your king. Et aujourd'hui, la chose claire que je voulais que vous compreniez. Do not let despair take your heart. Ne laisse pas le désespoir prendre le dessus sur ton cœur. Do not. Ne laisse pas. Instead, let's take this morning and focus and fix our eyes on Jesus. Ce matin, fixons nos yeux sur Jésus. This sermon is the first in a series called Vision and Values. Ce message, c'est le premier d'une série sur la vision. We're going to take the months of September, October, a little bit of November to go through all our core values and the vision and those kind of things of New City. Nous allons prendre ce mois de septembre et octobre, nous allons parler de la vision et des valeurs de New City. Before I get into this, let me pray for us. Avant de continuer, nous allons prier. Father, thank you that you and your goodness and your pleasure sent Jesus. And with him, you have given us everything. You have given us payment for our debt of sin. You've given us cleansing. You have given us a spirit. We are yours. We are fiercely loved in Jesus. I pray that your Holy Spirit, as he's already been
at work among us as we've sung your praises and prayed and cried out to you in prayer. And now here, just pray that he would grab a hold of our hearts this morning. In your name, amen. Amen. All right, so I have an image that I want to show you. Alors, il y a une image que je voulais partager avec so vous. If we could put up those three trees. Si on peut mettre ça sur l'écran. And I'm hoping that this image can be kind of helpful. Et j'espère que cette image va vous aider. And there it is. This is from ChatGPT. L'image so vient de ChatGPT. I did not draw this. I just want to, you know. Je n'ai pas dessiné cette image. Going to plagiarize or whatever. All right. So, and we'll come back to this, but et on va revenir à l'image. I want you to look at this and think in terms of the ground part, the grass and the roots and all that. Et je veux que vous regardez l'image et que vous regardez la terre et la racine. And if I really knew my technology, what I would have had is the name, the words, foundation, our adoption in Christ. Et si j'étais bon en technologie, j'allais écrire fondation, notre adoption en Christ. So if you're a really good drawer, hurry up, quickly draw that, and write down the word adoption, foundation in Christ. Donc, si tu es un bon dessinateur, tu peux ajouter adoption, fondation, adoption en Christ. Yeah. Our adoption in Christ is where everything starts for us. Notre adoption en Christ, c'est là que tout débute. And it's where everything flows from. C'est de là que toute chose découle. Listen to, this is on your bulletin, and I think we have it up here too, Ephesians 1. C'est dans votre bulletin, dans Ephésiens 1, chapitre 1. And this is starting in verse 3. Et on va commencer au verset 3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. So we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear Son. He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his Son and forgave our sins. He has showered his kindness on us along with all wisdom and understanding. I'm going to actually jump ahead. This is not on a slide, but this is, I think, halfway through verse 13 there, so just go down. Et je veux sauter au verset 13. When you believed in Christ, he identified you as his own by giving you the Holy Spirit, whom he promised long ago. The Spirit is God's guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he purchased us to be his own people. He did this so that we would praise and glorify him. That's like drinking a fire hose right there. Does that make sense? I don't know how to say. Ça, c'était comme un passage plein de feu. Okay, very good. What she said. To summarize, this is what we have in Jesus Christ. En résumé, voici ce que nous avons en Jésus-Christ. You are debt-free. Nous n'avons plus de dette. You are without fault. Nous sommes sans faute. You are given the Holy Spirit. Et il nous a donné le Saint-Esprit. And what we know from the Word is that the Spirit gives us power or ability. Et ce que nous connaissons de la parole, c'est que le Saint-Esprit nous donne la force, cette habilité. He reminds us of what is the truth. Il nous rappelle de la vérité. He transforms even our desires. Il transforme nos désirs. Right? This is from Ezekiel 36. I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my laws. Et c'est Ézéchiel 36, 27. Je vais le lire. Okay, got it. The Spirit is given to us to produce fruit. L'Esprit nous a donné cette habilité de produire des fruits. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, etc. L'amour, la paix, tous les fruits de l'Esprit. And in John chapter 14, verse 18. Et dans Jean 14, 18.
Jesus himself says, I will not leave you as orphans. Il nous dit qu'il ne nous laissera pas comme orphelins. I will come to you and I will send you my spirit. Et nous enverra son esprit. Why did God do all this? Pourquoi Dieu a fait tout ça? First, premièrement, John 3:16. À cause de Jean 3:16. God so loved Dieu the a world. Tant aimé le monde. Second, deuxièmement, to establish righteousness pour établir la justice on this earth. Sur la terre. In Ephesians 1, he gives us the whole purpose and where we're going for history. Dans Ephésiens 1, il nous donne le principal goal de où nous allons. He made known to us the mystery of his will. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. To bring unity to all things in heaven and earth and on earth under Christ. Qui est d'emmener l'unité sur toutes choses dans le ciel et sur la terre. One day, it's going to be all right. Et qu'un jour tout sera OK. It is going to be without tears or dying or crying. Un jour, il n'y aura plus les pleurs, la maladie et tout ça. And he has started that work now. Et il a commencé ce travail maintenant. And we see that in 2 Corinthians 5, which is also on your bulletin. Et nous voyons ça dans 2 Corinthiens 5, qui est aussi dans le bulletin. Christ's love compels us. L'amour de Dieu nous envahit. That word compels is sort of like it urges us, it drives us, it motivates our hearts. Ça nous motive, ça motive nos cœurs. This love of Christ leaving heaven and coming to save us. Cet amour qui a fait grâce et qui quitte le ciel pour venir sur la terre pour mourir pour nous. It changes us so that we become people who know he died for everyone. So that we who receive that life would no longer live for ourselves. Et ça nous fait comprendre que ce Dieu qui est venu pour mourir pour nous nous fait comprendre que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. And then lastly, this beautiful picture in Isaiah 61. Et dans Ésaïe 61. Verse 3. Au verset 3. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. Nous serons appelés de térébènes de la justice, une plantation de Dieu pour la manifestation de sa splendeur. That is who we are. That is who you are. Et ça, c'est ce que nous sommes. You want to know our identity as New City Fellowship? Vous voulez connaître notre identité comme New City Fellowship? That's it. Voilà notre identité. That is who you are. Now, let's go back to that tree image. Alors, rentrons à l'image que nous avons montrée bien avant. Hopefully that's not too hard to find. Like, sweet. All right. Now I want to look at the three trees. So on va regarder aux trois arbres. So as I mentioned, the ground represents that foundation, adoption in Christ. So le sol représente la fondation qui est notre adoption en Christ. Now the vision that we believe the Lord's given us from his word. So la vision que je crois que le Dieu nous a donné dans sa parole has three aspects. A trois aspects. The first tree. Le premier arbre. If I could, I'd put the name Jesus there. Si je pouvais, j'aurais pu mettre le nom de Jésus sur cet arbre. Because it's about us telling others, like one sinner saying to another, hey, Jesus has come to save you and deliver you and bring you a new life. C'est à propos de nous, alors, un pécheur disant à un autre que Jésus est venu nous sauver, donner la vie, et nous donner la vie. If I could write on that second tree, I would write the word restore. Si je pouvais écrire sur le deuxième arbre, j'allais écrire restauration. For those who have been around for 30 years, you would know the name or the word reconciliation. Pour ceux peut-être qui ont été là pour plus de 30 ans, vous connaissez le mot réconciliation. But the idea is we are called to actively, intentionally pursue a restoration in our relationships. Nous avons été appelés à poursuivre intentionnellement notre restauration dans les relations. Third tree, I would put, it's hard to put one word, so I put justice and mercy. Donc, sur le troisième arbre, j'écrirai justice et compassion. All right, so the first tree, the first aspect. So le premier arbre. This is central to the vision, and that is go and make disciples. Ça c'est central à la vision, c'est d'aller et faire des disciples. Which is just a side word here.
In the past, that a lot of times that was used as like an evangelistic call. Avant, c'était utilisé comme un appel évangélistique. I would challenge that and say it's evangelistic and discipleship. C'est pour faire, je veux challenger ça et dire c'est pour faire both l'évangélisation et faire des disciples. It's from the beginning all the way until the Lord takes you home. C'est du début, depuis que nous sommes nés jusqu'à ce que le Christ revienne. And then in Romans 10:17, it says, faith comes from hearing, and hearing comes from the message of Jesus Christ. Et dans Romains 10:17, ça nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. I remember being, years ago, we were missionaries and raising funds. Des années passées, nous étions des missionnaires et nous collectons les fonds. And we went down to Louisiana for a missionary conference. Et nous sommes allés en Louisiane pour une conférence. Probably the first time I've been in the South. C'était pour ma première fois d'aller dans le Sud. Woo! I don't like Cajun food, but it was a nice people. Cajun. Oh, je n'aime pas la nourriture Cajun, mais c'était un bon moment. Yeah. The conference speaker, we went to lunch with him after the conference was done. L'orateur de la conférence, nous sommes allés manger après que la conférence était finie. And we were like Applebee's or something, I don't know. Nous étions là Applebee's ou quelque chose du genre. Exactly. And while we were sitting there, the waitress came up and said, you know, what do you want? Et on est venu nous demander, qu'est-ce que vous voulez? And the speaker said, I just want you to know, we're pastors and missionaries, and we came from this conference, and I just want to know how we can pray for you. Et l'orateur de la conférence disait à la personne du restaurant, nous sommes pasteurs et je voulais juste savoir comment nous pouvons prier pour toi. How many have done that in the restaurant with your waiter? Combien de vous ont déjà fait ça dans le restaurant? I mean, I just like, whoa, all right, you know, and instantly you could see her eyes well up, and she turns out was going through a really hard time. Et directement, nous pouvons voir que la serveuse, ses yeux étaient pleins de larmes, et elle passait par des moments très difficiles. And so we said, well, we'll pray for you for that. We won't pray right now because I'm sure she'd be like, oh. Alors nous allons, okay, nous allons prier pour toi. Yeah. I'm going to brag on my wife. Alors je vais un peu vanter ma femme en ce moment. I don't know if I have freedom and permission to do this. Je ne sais pas si j'ai la liberté, la permission de le faire. This may be the last day you see me. Ça peut être le dernier jour que vous me voyez aujourd'hui. But in her profession, in the floral business profession. Dans sa profession, dans le domaine des fleurs. She has a ton of friends and. A bunch of them happen to be from the LGBTQ plus community. Elle a beaucoup d'amis et la plupart d'entre eux viennent de la LGBTQ plus community, la communauté LGBTQ plus. And interestingly enough, in the last 6 months, there have been two of her friends who have said, I want to come to your church. Et de manière très intéressante, il y a deux de ses amis qui ont dit, oh, je veux venir à ton église. And this is with her even having conversations, like with the one guy saying, you know, asking, well, what does your church believe? Et avec certains de ses amis demander, qu'est-ce que ton église croit en fait? And she's like, well, you know, I mean, just so you know, she said more than this, but she said, I'm a sinner, and we believe folks are sinners, and that's why Jesus came. So elle expliquait, elle disait, je suis une pécheresse, et je crois, c'est pourquoi que Jésus est venu dans ce monde. And this guy responded and said, yeah, I'm a sinner. Et le monsieur, son ami, a répondu, OK, je suis un pécheur. Who says that, you know? But obviously the spirit moving. Another story, firm foundation tutoring this summer. I believe we've already talked about this, but we've had 2, 3, 5 professions of faith from kids. OK, pendant cet été, ils ont eu 5 professions de la foi, confesser sa foi. And there were a ton of us praying for that exact thing for this summer. Et nous avons prié pour cette même chose pendant tout le summer. And the Lord graciously used the message being spoken. Et Dieu a utilisé le message qui avait été dit, délivré. Whether it was the conference speaker to the waitress or Sarah with her friends
or at firm foundation. Que ce soit par l'orateur qui parle à la serveuse, que ce soit ma femme qui parlait à ses amis. Let me just close this by saying this in terms of application for us. Et juste pour conclure, donner une application de vie à nous tous. 1 Peter 3:15. 1 Pierre 3:15. But in your hearts revere Christ as Lord. Dans nos cœurs révérons Christ comme Dieu. Always be prepared to give an answer. Et sois toujours prêt à donner une réponse. To everyone who asks you to give the reason. Qui à tout celui qui te demande de donner une raison. For the hope that you have. Pour de l'espoir que tu as. But do this with gentleness and respect. Mais fais-le avec douceur et respect. There are people all around you. Il y a des gens tout autour de toi. Who are in great need. Qui sont dans un grand besoin. Be ready to just give them that message. Sois prêt à délivrer, à partager le message. Second tree or aspect. Le deuxième arbre ou le deuxième aspect. To restore or reconcile relationships. Qui est de restaurer les relations. Again, a very central piece of what it means to be saved and be a child of God. C'est une pièce centrale de ce que signifie d'être sauvé, être enfant de Dieu. How do I know that? Comment je le sais? Because in Genesis, we know that when Adam and Eve took the fruit that they weren't supposed to, and God said, "Hey, what happened? How do you know that you're naked?" Parce que dans Genèse, nous connaissons que quand Adam et Ève ont mangé le fruit qui était interdit, Dieu leur a demandé, comment vous savez que vous êtes nus? We know that Adam didn't say, "It was me. It was my fault. I did it." Nous le savons tous que Adam n'a pas reconnu et dit, c'est ma faute. But what he said was, "The woman." Mais ce qu'il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. And then he said that you gave me. La femme que tu m'as donnée. The beginning of the toxic relationship was there. C'était les débuts des relations toxiques. The woman then said. Et la femme, Eve, dit. Not, yeah, I did take it and gave it to him. Elle n'a pas dit, oh oui, je l'ai prié, je l'ai donné à mon mari. But the serpent deceived me. Mais elle a dit, le serpent m'a menti. The brokenness, the dysfunction, the I am against you began there. Le dysfonctionnement dans les relations ont commencé là. Whatever hostility you see today in our city, in our country, it began there. Toutes les hostilités que nous voyons aujourd'hui ont commencé là, au Jardin d'Éden. But then fast forward to Ephesians chapter 2. Mais quand nous avançons dans Ephésiens 2, not only did God make very clear that he reconciled us to himself. Dieu l'a présenté clairement qu'il nous a réconciliés avec nous-mêmes. But he says in Ephesians 2, verses 14 and 15, Christ himself brought peace to us. Il dit dans Ephésiens 2, 14 à 15, que Dieu lui-même a amené la paix. Il nous a amené la paix. He broke down the wall of hostility that separated us. Il a brisé le mur d'hostilité qui nous séparait. Years ago, I read this book. This was like at the beginning of New City. I keep saying that, but yeah. Il y a des années passées, j'ai lu ce livre. C'était au début de New City. It's called Breaking Down Walls. Le titre, c'est Breaking Down Walls, like casser, briser les murs. The two authors were Pastor Raleigh Washington. Le premier auteur, c'est Pasteur Raleigh Washington. And this guy who was executive director of their version of RSL, Glenn Cairn. Et le executive director. They didn't call it RSL. Oh, okay. Yeah, il y avait un autre executive director, Lang, était son prénom. Yeah, black and white. C'était un noir et un blanc. Black pastor, white executive director. So un pasteur noir et un executive director qui était blanc. And what they were moved to do by the Spirit of God in them. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Was to say, you know what? We shouldn't just take our relationship for granted. Et ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu à comprendre que nous ne devons juste pas prendre nos relations pour acquises. Rather, let's go on the offensive in a sense and sit down together as brothers once a month. Et nous devons nous asseoir comme des frères une fois le mois.
And whether there's conflict among us or we're having a good time in our relationship, let's meet. Que nous ayons des conflits ou pas, mais nous devons nous rencontrer. And let's talk about your perspective, my perspective, how, if something happened in the culture, how did you view it, how do I view it? Pour parler de nos perspectives, si quelque chose se passe dans le monde ou partout ailleurs. If something, if one person said offensive to the other, they said, okay, I want to tell you that was hurtful, and I want to tell you why. Et si quelqu'un, par hasard, disait quelque chose qui pouvait les offenser, tu le dis sur place et tu lui expliques pourquoi ça t'a offensé. The whole point was because the Lord wants us to work restoration among us. Parce que le but, c'est que Dieu veut que nous puissions travailler sur la relation entre nous. So, by way of application. Et je veux vous montrer une manière de l'appliquer. Here's the prayer. Voici la prière. I believe we should say thank you, Jesus, for what you have done among us. Je crois que nous devons lui dire merci, Jésus, pour ce que tu as fait parmi nous. Now help us to go further. Et aide-nous à aller plus loin. Help us to go deeper. Aide-nous à aller plus profondément. 1 Thessalonians 4, Paul says this. Dans 1 Thessaloniciens 4, 9 à 10. To the Thessalonians, I know that you love one another. In fact, you love all of God's family. Je sais que vous aimez chacun, que vous aimez la famille divine que Dieu vous a donnée. And I could probably stand here and give testimony, either because I know you or because I've heard people give testimony about you and your love for others. Je peux me mettre ici et donner le témoignage parce que j'ai entendu ou j'ai vu votre amour envers chacun. But then Paul says, now, do so more and more. Et après, Paul rajoute, il dit, maintenant, faites-le de plus en plus. So, for us to think about being active and intentional and initiating this. Et pour nous, pour penser d'être plus intentionnel et actif et plus initiateur. What would that look like in the way we do worship or the way our leadership teams are in ministries or in light of our differences? Comment cela s'appliquerait-il dans la manière dont nous nous adorons, la manière dont nous faisons nos leadership and dans tout ce que nous faisons en fait? One thing I've learned through the years that I miss when I go to a church that is just all one culture. Une chose que j'ai appris et qui me manque au fil du temps, c'est que nous ne sommes plus juste une culture. Is the richness of God's image displayed through all the differences? C'est la richesse de l'image de Dieu qui se voit dans toutes les cultures. And I believe God wants that for us. Et je crois que Dieu le veut. C'est ça que Dieu veut pour nous. He wants each of us and the groups we belong to bring that facet or that image that we can hold from our culture, from our perspective. Il veut que chacun d'entre nous, nous puissions amener cette facette unique que nous avons de notre culture. And bring it into this expression of his kingdom. Et exprimer cela dans son royaume, dans le service. And that is an amazing image of who our God is. Et ça, c'est la merveilleuse image de ce que notre Dieu est. And when I think of differences, I think of all these different categories. Et quand je pense à différence, je pense à toutes ces catégories. Different races bring different pieces of the image of God. Toutes les différentes races amènent différentes pièces de l'image de Dieu. Different cultures bring different images. Différentes cultures amènent différentes images de Dieu. This may sound funny, but different denominations bring different images. Ça peut paraître drôle, mais différentes dénominations amènent différentes aussi images de Dieu. One of the things I really learned to appreciate about our charismatic brothers and sisters is the victory we have in Jesus. Et ce que j'ai appris à apprécier, c'est la victoire que nous avons en Jésus. I learned that. I didn't learn that from Presbyterian. I'm sorry. I mean, there's a lot of great things about Presbyterianism. But I'm just saying, not to knock Presbyterianism. Also, generational. Et aussi, tout ce qui est générationnel. There is something, you old people, sorry, can I say that? Those of you who are older can bring of the image of God. Et ceux qui sont plus vieux peuvent amener une nouvelle image de Dieu. That we need.
que dont nous avons besoin. As well as the middle-aged folks. Et ceux qui sont dans l'âge moyen. And those of you who are teens or young that bring also a piece of the image of God. Et ceux qui sont adolescents ou jeunes adultes peuvent aussi amener une différente image de Dieu. And all those generations together. Et toutes ces générations ensemble. The image of God. Amène ensemble l'image de Dieu. Those who have plenty of resources, those who lack resources, there's something they bring, both. Ceux qui ont des ressources, ceux qui n'en ont pas, tous amènent quelque chose à l'image de Dieu. Those who have had extensive opportunity to have education and those who have not. Ceux qui ont eu l'opportunité d'être éduqués, ceux qui ne l'ont pas eu, tous amènent quelque chose. There is an aspect, a facet of the image of God that you bring. Il y a chacun amène une facette à l'image de Dieu. What would it be like for us to be light in our neighborhood and city as we work on and pursue restoring our relationships? Comment serait-il si nous tous nous travaillons intentionnellement pour amener la restauration dans notre communauté? What would it look like if every one of us in this room began pursuing and initiating peace and grace and forgiveness and wholeness in our relationships? Quel serait le résultat si nous tous nous poursuivons, nous cherchons à mener la paix, l'unité dans nos relations? If you pursue this today or this week, who would you pursue? Si tu, c'était ton but de poursuivre l'unité aujourd'hui, quelle serait cette relation que tu poursuivrais, que tu travaillerais dessus? Or maybe is there a relationship among us that you know has conflict? Est-ce que tu sais qu'il y a une relation, une relation tu connais qui a des conflits? And they really aren't getting to where they need to be in that restoration. Et peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés à ce point de la restauration. That's your brother or sister, and our call is to say, how can I help? How can you come along those two to help pursue peace and shalom and restoration? Et ceux qui peuvent avoir ces conflits, ce sont tes frères et tes sœurs. Tu peux te demander comment je peux faire pour les aider à arriver à cette réconciliation. Lastly, the third tree, an aspect. Et le troisième arbre, le troisième aspect. To engage in justice and compassion with humility. C'est s'engager dans la justice et dans la compassion en dans toute humilité. I don't know about y'all, but I'm getting tired being up here, so this is probably going long. That's my guess. Je ne sais pas pour vous, mais je commence à me fatiguer d'être debout ici. But it's also good, so I'm kind of also like, yeah, come on. Sorry. This is central to the gospel and to the kingdom. Et cet aspect aussi est central à la bonne nouvelle. Listen to this, Galatians 5:14. Dans Galates 5:14, Paul says, the entire law is fulfilled in keeping this one command. Paul nous dit, la loi entière est accomplie en gardant ce seul commandement. Love your neighbor as yourself. Aime ton prochain comme toi-même. The entire word of God. Toute la parole de Dieu, tous les commandements de Dieu is summed up in this one word. Est résumé dans ce seul commandement. Love your neighbor as yourself. Aime ton prochain comme toi-même. Now this obviously, for many of us, for maybe most of us, reminds us of Luke 10 and the Good Samaritan parable. Beaucoup d'entre nous, ça nous rappelle Luc 10, 25 à 37, la parabole du bon samaritain. And Jesus, in this parable, he's describing this parable because he wants to give definition. Il décrit cette parabole parce qu'il veut donner une définition. As to what it means to fulfill the law that says, love your neighbor as yourself. La définition de ce que vraiment signifie aime ton prochain comme toi-même. And the question, who is my neighbor? Et la question, qui est mon prochain? And the answer, and the law expert knew it. Et la réponse was to show mercy. Était de démontrer la compassion. Which, to get a little more detailed, dans plus de détails, was this Samaritan. Il y avait ce Samaritain. Met the full range of physical and financial needs for this Jewish man. Qui a aidé cet homme juif, this dans tous ses besoins physiques comme financiers.
This is Jesus defining what it means to love your neighbor as yourself. Et c'est comme ça que Jésus définit aimer son prochain comme soi-même. All right. Now, Thurman last week told you a story about Pastor Chris Davis. I don't know if you remember this story. Thurman a raconté l'histoire de Pasteur Chris. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il a parlé de ça le dimanche passé. I don't know all the details he gave you. Je ne sais pas les détails qu'il vous a donnés. But here's what I'm going to tell you. Et voilà ce que moi je veux vous dire. Again, 32 years ago. Encore 32 ans passés. The Lord blessed us by allowing us as New City to enter into the life of a dear sister named Deborah Davis. Dieu nous a tellement béni que nous étions entrés dans la vie d'une sœur Deborah Davis. Deborah Davis. It was one of our first work days. C'était parmi nos premiers work days, un jour de travail. And man, going into Deborah's presence, if any of you know Deborah, was a treasure. Et aller rencontrer Miss Deborah, c'était un plaisir. And she, in the midst of this, was, you know, saying, I'm so thankful. And then she said, could I go with you to the next workday? Et elle était très reconnaissante de ce qu'on lui avait donné. Elle a demandé, est-ce que je peux aller vous dans le prochain workday? And so she did. Donc elle est venue au prochain workday. And then she started coming on Sundays. Et elle a commencé à venir les dimanches. And Chris, of course, as one of her little babies, you know, came with her. Et Chris aussi est venu avec elle. And, I can't forget to say this. One of the things I learned from Deborah, et une des choses que j'ai apprise de Deborah, was how to pray. C'était comment prier. We used to have a saying. On le disait auparavant. When Deborah Davis prayed for you, quand Deborah Davis prie pour toi, you were prayed for. Tu as vraiment reçu cette prière. You know what I mean? You were like, wow, God just heard that one. Dieu vraiment a écouté cette prière. Not that he doesn't hear mine, but you know. But Chris, he, you know, had all his wrestles like all kids growing up. Chris avait tous ses problèmes avec tous ses enfants qui grandissaient. But here's what we do know. That from that relationship that started on a work day. Mais ce que nous savons, c'est à partir de cette relation qui avait commencé on the work day. He's been pastoring 11 years at a San Franciscan church as the senior pastor. Il a été pasteur à l'église de San Francisco. Does Jesus use and want us to be people of mercy and compassion and love? Dieu veut que nous soyons des personnes de compassion, pleines de compassion et d'amour. Absolutely. You can express your faith. Tu peux exprimer ta foi through love in a ton of ways. Au travers de l'amour par plusieurs moyens. One is obviously tutoring. Une des formes, c'est par être tuteur. And that could be at Firm Foundation. Tu peux le faire par la foundation. Or Freedom School. Ou tu peux le faire à l'école. Yes. Like Freedom School here. And because God sees the child that is in front of you and knows that he needs or she needs help with that basic math or whatever. Parce que Dieu voit l'enfant qui est au devant de toi, il sait qu'il a besoin d'aide dans les maths. You can express your faith by loving a refugee. Tu peux exprimer ta foi en aimant un réfugié. Who's maybe only been here 3 to 4 months and has every need imaginable. Qui vient juste d'arriver ici dans il y a 3 mois et qui a tous les besoins possibles. You can express your faith by loving people who are made in the image of God. Tu peux exprimer ta foi en aimant les gens qui ont été créés à l'image de Dieu. And deserve to have food and clothes and shelter and mercy. Et mérite d'avoir un abri, un toit, la nourriture, compassion. But maybe our city and our country doesn't show it to them. Et peut-être que notre pays, notre cité ne leur demande pas ça. Or even the issue of affirming their dignity, which they have. Et des fois même d'affirmer la dignité qu'ils ont. But again, our city, our country doesn't show it to them. Et que peut-être notre pays ne le fait pas. Let's say you tutor someone and you get to know their family. Prenons l'exemple que tu es un tuteur pour une famille et que tu apprends à connaître leur famille. And as that grows, maybe one day you say, hey,
You want to come to church? Et au fur et à mesure que la relation grandit, tu demandes est-ce que tu veux venir à l'église? And maybe one day they'll be sitting right here. Et un jour peut-être ils vont s'asseoir sur une de ces chaises. Wouldn't you love to see God do things like that and beyond? Tu n'aimerais pas que Dieu fasse ce genre de choses et bien même au-delà? This is the vision that God has. Voici la vision que Dieu a. It is what our King is calling us into. C'est ce que notre roi nous appelle à faire. Both collectively as a community. De manière collective comme une communauté. And each one of us. Et de manière individuelle. And listen to this. Et écoute cela. Jesus said, Jésus dit, if you put all these kingdom things first in your life, si tu mets premièrement les choses du royaume de Dieu dans ta vie, if you make the kingdom and his righteousness your first priority, si tu fais toutes les affaires du royaume ta première priorité, his promise, ce qui nous promet, is he will give everything you need. Il te donnera tout ce dont tu auras besoin. Do you need love? Si tu as besoin de l'amour. Do you need to be cared for? Si tu as besoin que quelqu'un prenne soin de toi. Do you need community? Si tu as besoin d'une communauté. Do you need rest? Si tu as besoin du repos. Do you need strength? Si tu as besoin de la force. What do you need? Peu importe ce dont tu as besoin. If you pursue these three trees, si tu poursuis premièrement ces trois arbres, ces trois aspects du royaume, this vision, this kingdom, la vision de son royaume, first, premièrement, all these things will be given to you. Toutes ces choses te seront données au-delà. All right, people of God. Amen, peuple de Dieu. Let's, amen. Again, I realize we're going late, but I want us to get grace. So let's form a circle around the gym. Alors, and nous let's allons take faire un cercle et nous allons prier pour prendre la communion. All right. Man, it is good to see all of you. I just want to say it is beautiful to see you all here and all of us here because of Christ and what he's doing. So, again, how do we have what we need to be able to pursue this kingdom, this vision? Comment faire pour être capable de poursuivre la vision du royaume? Because Jesus really did come as a man on this earth to save us. Parce que Jésus est venu comme un homme sur cette terre pour nous sauver. And he tells us to do this because he knows we need to be reminded. Parce qu'il nous demande de le faire parce que il sait que nous avons besoin d'être rappelés. And to remind us, here's what he says, and here's what Paul says in 1 Corinthians 11. Voilà ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. The Lord Jesus, on the night he was betrayed. Jésus, dans la nuit, il était trahi. Took bread. Il prit le pain. And when he gave thanks, et après avoir remercié le Seigneur, he broke it and said, il le brisa et dit, this is my body which is for you. Voici, ceci est mon corps qui est pour vous. Do this in remembrance of me. Faites cela en mémoire de moi. In the same way, et de la même manière, after supper he took the cup, après le souper, il prit le cup, saying, this cup, cette coupe, is the new covenant in my blood. C'est la nouvelle alliance avec mon sang. Do this whenever you drink it. Faites cela chaque fois que vous le boirez. In remembrance of me. En mémoire de moi. For whenever you eat this bread. Parce qu'à chaque fois que vous mangez ce pain. And drink this cup. Et buvez de cette coupe. You proclaim the Lord's death until he comes. Vous proclamez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. As we say each week. If you're here and your faith is not in Jesus, comme nous le disons chaque semaine, si vous êtes ici et votre foi n'est pas en Jésus, please don't take this. Je vous en prie de ne pas le prendre.
Instead, let it be a moment where you cry out to him to save you. Plutôt que ce soit un moment où tu cries à Jésus pour qu'il puisse te sauver. To make you a fiercely loved child of God. Pour qu'il te mette un fils aimé de Dieu. But if your faith is in Christ, mais si ta foi est en Jésus, take, eat, drink. Prends cela, mange et bois. And rejoice in what Jesus has done. Et réjouis-toi dans ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when this is hell, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ. Thank you.
Amen. All right. Here is the benediction over you as God's dearly loved people. Voici la bénédiction. May the grace of the Lord Jesus Christ, que la grâce de Jésus Christ, the love of God, l'amour de Dieu, the fellowship of the Holy Spirit, la communion du Saint-Esprit, be with all of you. Soit avec vous. Amen. Amen. All right, thank you all. Merci à tous. Please grab chairs and hang them up. Aidez à prendre les chaises et à les remettre en place. And rescue the child workers. Child care workers. Thank you. I didn't want it to start sweet ride. And that started buzzing when you needed it. So I was like, maybe it'll stop.